Bon, allez hop, on y va. Tu vas manger en peignoir, toi. Tu vas au restaurant en peignoir. Ah, j'en ai marre de me faire boulotter. Non mais c'est quoi cette tenue là? Et on est quand même à une journée de la Mongolie, hein. C'est demain, hein. C'est votre dernier vrai repas, là, hein. Alors la route est coupée par les travaux, on est à 320 km de la frontière mongole. Donc j'ai trouvé un petit passage par la rivière, on contourne. On contourne les travaux, on va remonter de l'autre côté. D'ailleurs, on voit quelques autochtones qui essaient de nous suivre avec des voitures normales. Je ne sais pas s'ils vont passer parce qu'il y a quand même des cailloux dans la rivière et un peu d'eau quand même. On arrive à la frontière. Ah, ferme les portes. C'est pas bon signe. Bon bah on attend qu'on nous ouvre la grille. J'espère qu'ils vont faire assez vite. On a déjà passé le premier poste de contrôle. Par contre, il y a la douane en Mongolie qui est à quelques kilomètres. Et il paraîtrait que le poste frontière va pas tarder à fermer. À savoir est-ce que c'est sur l'heure mongole ou l'heure russe, on ne sait pas trop. Donc on risque d'être juste au niveau timing pour passer la frontière. Donc voilà. Alors on est à la frontière géographique là, on vient de passer un poste de contrôle mongol. On se dépêche parce qu'on a très peu de temps pour faire le passage en douane, on a encore 5 km à faire. À partir de maintenant il n'y a plus de goudron, c'est de la piste. Bon, on est coincé à la douane de Mongolie parce que c'est fermé, ils nous ont pris les passeports, on va être parqué dans un grillage avec les camions là, sur un parking de fret et on est coincé. Voilà, il faut qu'on attende demain matin 9 h.